Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous 2.2. Quelque chose. Nous sommes toujours pas après la nouvelle bêta du jeu. Comme vous l'entendez, je suis toujours malade, du coup pas de cam, hein, je vais pas vous montrer ma sale tête de malade. alors que vous pourriez avoir une vision complète du jeu et profiter d'un bonheur sans me voir. Donc voilà, j'en profite aussi parce que nous ne sommes pas allés à la fin de l'épisode dernier voir les revenus que nous étions faits dans cette zone de conflit haute intensité. Du coup, je me dis qu'on pourrait aller voir, nous sommes en loi martiale. Intéressant. Contact. Toutes les amendes. Ah oui, c'est vrai, j'ai des amendes. Exact. Bon, j'avais 200 $ d'amende. Récompense de combat. 44 000. C'est naze. Oh. Service juridique. Toutes les amendes à payer. Quelle surprise de vous voir, commandant. Sans le vous n'avez pour l'instant aucune amende à régler. 32 000. Bah, j'aurai 25%. Ok, bah, je paye toutes mes amendes, moi, monsieur. Service de mercenaire. Toujours un plaisir de vous voir, commandant Marcus Bonus. D'autant plus que lorsqu'il s'agit d'une visite de courtoisie, car je note que vous n'avez pas quelque chose. Aucune récompense, d'accord. Alors comment ils appellent ça? Contact Interstellar Factors, d'accord, ok. C'est nouveau. Il y a autre chose? Ok, bon. Nous sommes bons. Il y a une loi martiale qui est arrivée depuis hier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Est-ce que j'ai toujours mes... D'accord, non, je n'ai justement plus les... Je n'ai justement plus les trucs. Alors, on va quand même aller faire un tour en dehors de la station. Je remets les pieds sur... Voilà, le palonnier. Je vous rappelle que je suis sur un T16000M Flight Pack, complet, donc avec palonnier, commande des gaz et joystick. Vous savez que je suis malade, j'ai tout parlé, c'est bon, j'ai parlé de tout, c'est cool. Ok, nous voilà partis. Allons-y en douceur, hein. On n'est pas là pour pousser mémé dans les orties, comme dirait l'autre. Faut pas non plus exagérer, hein. Hop, voilà. Ah, j'ai dépassé, d'accord, ok, bon à savoir. Ok, bon, maintenant qu'on a bougé un petit peu, est-ce qu'il y a toujours des zones de conflit dans le coin? Zone de conflit haute intensité, parfait, bah c'est là qu'on va. C'est juste là. Pleine puissance, monsieur Zulu. Oula. Hop. Crac. Donc j'étais assez heureux de voir les capacités du vaisseau hier, donc pour vous c'est avant-hier. En zone de conflit, c'était assez intéressant. Enfin, une fois que je m'y étais vraiment mis. Hein. On va bien voir si là c'est pareil, même si j'ai pas les yeux en face des trous. Allons-y. Alors j'avais remarqué que si je laissais ça comme ça, apparemment je perdais pas trop d'énergie d'armement et niveau moteur, bah c'était pas trop mal. Je vais y aller comme ça, cela dit. Hein. On va bien voir. On verra bien. On verra bien. C'est joli comme planète, ça dit donc. Ça a l'air habitable. Ça a l'air habitable. Intéressant. Hop. Alors maintenant qu'on est en dessous de 800, j'accélère un gros coup, histoire d'avoir l'accélération nécessaire pour rejoindre la zone de conflit, puisqu'on est trop près de la planète en fait. Oula. Hop, on est bon. Nous y allons. Choisir une faction, les nationalistes ou le social. Nationaliste. La 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 la. Under attack. Hop, je voulais avoir le temps de. Mais pourquoi vous me scannez? Pourquoi vous prenez la peine de me scanner? Ok, il est mort. Ok, niveau armement, c'est pas suffisant. Ok. On va trouver, ne vous inquiétez pas. L'équilibre parfait. Hop. L'objectif est de rester à distance, hein, vous avez remarqué.
Ouais, mais pour l'instant, il est pas trop... Oh, si, il m'a fait mal. Oh, la vache! J'ai pris énormément de dégâts d'un seul coup, vous avez remarqué? Vous avez vu mes boucliers? Parfait, bon, on l'a eu celui-là. On va essayer de se bouger le cul un petit peu. Tu ne t'enfuiras point. C'est écrit dans la Bible. Désolé. Merde, alors là le problème c'est que il a boosté sur une longueur opposée. Hop, c'est bon, on devrait être passé derrière. Voilà. J'ai pas assez de puissance dans les moteurs. Hop. Il me tire un poil dessus, cela dit. Hop. C'est bon, on l'a eu. Suivant. C'est que ça, un ASP Explorer, pourquoi pas, allons-y. Donc on a fait que 44 000 hier en butant des anacondas et des trucs. Donc c'est, voilà, vous voyez, il y avait bien un problème finalement hein, dans ce qu'on a fait. Hop. Mince. Crac. Allez! Bonjour! Faudra que je mette en place les comment les. La commande de. Voilà, regardez, je suis en train de le guaquer. Voilà. La commande des sous-systèmes. De la sélection des sous-systèmes. De portée, je vais booster un coup. Je devrais être en mesure de le rattraper assez rapidement. Tu crois que je vais te laisser t'enfuir? Putain, il est rapide l'ASP Explorer, dis donc! Non! Non! Il va s'enfuir! Putain, il s'enfuit. Quel dommage. Quel dommage! Bon, c'est pas grave. On y retourne. Ok. Bon, bah, ça se passe plutôt bien, cela dit. Hein. Hop, salut les filles. Alors on va regarder ce qu'il y a quand même d'intéressant dans le coin. Des gros vaisseaux, ça pourrait être sympa. Non, y'a rien. Quel dommage. On va éviter de se mettre dans le milieu de la zone de conflit parce que sinon ça va pas le faire. Ah bonjour l'ami. Hop, c'est parti, c'est l'heure de la chasse. Alors, qu'est-ce que... Oh, il est parti en mode... Oh, il est en mode... Il était en mode furtif pour quitter le... Hop.
Bah alors? On souffre? De chasse, hop, ça fait du bien, ça réveille le matin comme on dit. Oh, pas deux fois mon ami, pas deux fois. Hop, crac, il va pas me faire tant de dégâts que ça, t'inquiète, il a du mal à rester devant moi. Pas pour longtemps. T'inquiète. Hop. Oh la vache, il a tout récupéré le sac. Ah, il est encore passé. Non, même pas. Alors. C'est bon, on l'a eu. La suite. Excusez-moi, chers amis. Ah, oh, c'est violent. Ok. Au suivant. Oula. J'ai vu un gros laser bleu partir par là. Ah merde. On va tromper, hein. Là, il y a quelqu'un. Monsieur le Eagle. Hop. Permettez que je vous chasse. Et genre. Putain, regardez ce que j'ai bouffé. Regardez ce que j'ai bouffé. Regardez ce que je bouffe, en règle générale. Je crois que c'est encore plus impressionnant même. Hop. Oh la vache. Qu'est-ce qui me tire dessus? Mais la vache, il me fait vachement mal. Faut vraiment que je garde un œil dessus. Hein. Ah la vache, j'ai pas suffisamment dans mes... Allez, on tente comme ça. Allez. Ça recharge. Je sais pas ce que c'est qui me tire dessus, mais ça me fait vachement mal. Je suis con, j'ai des paillettes. J'arrive à chasser un eagle, cela dit. Hein. Rien dire, mais. Hop, et. J'aimerais comprendre ce qui m'a fait des dégâts. Où est-ce qu'il est? D'accord, je t'ai vu. Je sais qui c'est. C'est toi! Putain, c'est un eagle! Oh, le sac! Allez, feu! Pas besoin de tirer, Marcus. Pas besoin de tirer, il essaie de prendre l'ascendant sur toi. Il n'y arrivera pas. Bah alors?
Ça fait mal? Dis-moi si ça fait mal. Non, je te laisserai pas prendre l'ascendant. Ah putain, il le prend quand même. Il est encore plus agile. En train d'essayer de le reprendre. Oula. Allez. Ah merde. C'est bon. Je commence à reprendre le dessus. J'espère que ce boost là m'a pas tout fait perdre. Putain, le boost qu'il a eu, il a fait 3 km. Allez! Merde, je suis désolé, c'est parce que c'est un problème de touche. Et du coup, je l'ai perdu. Il fait chier. Hop, allez. Putain, mais il est casse-couille! Ah mais si j'y vais point par point, ça va pas le faire. Il va récupérer son shield, voilà. Allez, reviens voir papa. Allez. Ah, il va être casse-couille. Il va être casse-couille. Je l'avais prédit. Allez, il reste plus grand-chose. Recharge, recharge, multicanon, recharge. Allez. Non, tu te casseras pas. Je t'interdis de te casser. Putain, le sac. Ah, le sac. C'est bon, je l'ai eu. Phew. Bah, ça aurait été dur, hein, nom de Dieu. Tout ça pour une cible. Un autre eagle. Il est dans une escadrille lui aussi ou pas? Non, c'est bon, bon, on va le rect alors. J'ai besoin de me venger. J'ai atrocement besoin de me venger. Désolé pour tes boucliers. Raté. Je voulais lui foncer dedans mais j'ai raté. Quel dommage. Alors, il s'est peut-être enfui par contre là. Non, non, je te laisserai pas t'en aller. Je te rassure. Tu vas rester avec moi. Voilà, merci d'être venu. Au suivant. Hop. Bonjour monsieur les Space Scouts. Il est temps qu'on vous inculque la politesse. Oh, je ne te laisserai pas t'en aller. T'inquiète. Voilà, merci d'être passé. Ça, c'est un copain. Ok, qu'est-ce qu'il reste dans le coin? Il y a un bleu dans le tas, là. C'est un Cobra MK3, ça va être assez rapide. C'est marrant, je me demande si les hautes intensités sont pas en fait des low intensités. J'ai pas vu le moindre piton. Ni quoi que ce soit d'ailleurs.
Oh la vache. Bonjour TPV. J'ai du mal. Il est agile ce trou du cul. Alors, tu disais. Voilà. Boum. C'est fait. Ok. Bon bah, ça se passe assez bien malgré tout. Crac. Y a pas plus gros comme vaisseau. Des vultures. C'est parti. Ça vaut le coup d'aller voir. C'était le vaisseau avec lequel on hésitait. C'était le vaisseau avec lequel on hésitait. Ah ça y est, il m'a dans sa ligne de mire. Thermal. D'accord, effectivement. Je gagne de la température. Ok. Merde, désolé. Bah alors, pourquoi tu tires pas? Ok. Je me rapproche, hein. Oh le pauvre, il se fait déchirer. Oh la vache, mes boucliers. Putain, j'avais plus de... D'accord, c'était bon à savoir. En fait, j'avais plus rien en... En termes de... En termes de comment de... Oh la vache, quand je vois les tirs qui se bouffent en termes de canon, enfin en dégâts de canon électrique, c'est affolant. Je crois que c'est des canons électriques qui se prend. Hein. Mais bon. Bon, on a pris quelques dégâts, je pense qu'on a donc de quoi rentrer si je puis dire. Hop. Alors. Allez, ici, crac. On va rentrer notre armement et on va y aller. Hop. On va aller se voir pour. On va en terminer là pour cet épisode. Je pense qu'on est pas loin de. De 200 000, je dirais, minimum. Ça va, et les shields, on peut pas s'en plaindre, ils montent assez vite. Hein. Franchement, regardez, le shield est déjà remonté. Hein. J'aurais presque pu continuer avec toute ma coque. Hein. Est-ce que vous voyez des améliorations dans le vaisseau, chers amis? Dites-le-moi, si vous les voyez, dites-le-moi, je pourrais toujours me renseigner si j'ai ce qu'il faut monétairement parlant. Oula, pardon, excusez-moi, je viens de bourrer le micro. Hop, donc ouais, oui, si vous avez des infos, si vous avez des infos sur comment améliorer encore le vaisseau, n'hésitez pas à me les donner, je serais ravi de les avoir, de les connaître, voire même de les partager, hein. Forcément, comme d'habitude, dès que vous me donnez des informations, moi je tente de les partager avec vous tous, comme ça vous pouvez tous profiter des conseils de chacun, voilà. Donc bon. Le du bouclier, ça remonte, c'est parfait. Je pensais par exemple mettre des missiles aussi à la place des deux, mais ça coûterait beaucoup plus cher forcément. En fait, je comptais mettre par exemple 3. Imaginons 3. 3 canons laser et des batteries de missiles à tête chercheuse. Donc sur les niveaux 2. Est-ce que ça aurait été efficace? Je ne sais pas. Je ne sais pas. L'objectif c'était que visuellement ça change un petit peu. Mais bon, certes ça va changer. Mais si c'est pas efficace,
C'est pas... Ça sert à rien d'avoir fait un robot à 80 millions si c'est pas pour qu'il soit efficace, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors. Hop. On y est presque. En tout cas, je suis ravi d'avoir eu vos retours sur... Bah écoutez, sur Star Wars The Old Republic. Apparemment ça a beaucoup changé, sauf le système de combat qui m'avait un petit peu rebuté. Mais apparemment aussi, vous m'avez dit que... s'il n'a pas changé, il s'est quand même amélioré. Du coup, bah, je veux bien y croire, chers amis, moi. Je veux bien y croire. Du coup, j'ai hâte de voir ça avec vous. Je pense que je vais faire une série dessus, au moins pour le début, comme j'avais fait pour... Black Desert Online 22, c'est là. Hop. On va ralentir un petit peu. Hop, on est bon. Voilà. Crac. Entrée dans le hangar. Service de spatioport. Allons voir. Allons voir. Alors, on va déjà faire le plein. En termes de carburant. Réparation, j'en ai pour 11 000. J'en ai pour 2 000 de ravitaillement. Contact. Papapapapam. Ouais, à peu près 200 000, c'est ce que j'avais dit. Bon, j'aurais préféré avoir au moins 200 000, mais bon, c'est pas rentable, je trouve, comme... Enfin, en tout cas, tout seul, c'est peut-être pas... Bonjour. Nous avons le plaisir de vous informer que votre réputation auprès de la, faction nationaliste of Wolf 13001... Enfin, 1301, pardon. Ah oui. 1301, plutôt, c'est ça que je cherchais, en fait, comme expression. C'est amélioré et que vous êtes désormais populaire. Excusez-moi. Oh là là. Accomplissez d'autres opérations pour notre compte et votre réputation auprès de nous devrait continuer à en bénéficier. Message envoyé par le service d'opération de la faction nationaliste of Wolf 1301. D'accord. Ok, merci. Bah écoutez, tiens, déjà pour la forme, on va peut-être aller voir ce qu'il y a comme mission. Répondez pas tous à la fois. Zéro, que puis, que dalle, nada. Hop, on va mettre 200 crédits dans les... Voilà, hop, entrepôt de carburant, c'est cool, ça. Enfin bon, c'est pas grave. Eh bien écoutez, chers amis, du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci d'avoir laissé Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yop !